elle n'est pas inscrite naturellement dans les parcours de formation, elle est aujourd'hui insuffisamment inscrite dans les parcours de formation. Il faut être clair, aujourd'hui, en ce qui concerne la mobilité internationale, nous avons pratiquement seulement 2% des jeunes Français qui en bénéficient, et répartis de façon extrêmement irrégulière, puisque dans le réseau des grandes écoles, 82% des élèves ont un parcours de mobilité internationale, pour un total de 16% sur l'ensemble des étudiants français, dont les élèves des grandes écoles, ce qui montre que quand on sort de ce niveau de master, on retombe à des pourcentages quasiment insignifiants, et c'est un vrai problème qu'une grande partie des jeunes Français n'aient pas la chance de pouvoir accéder à un parcours international. Nous avons une forme de paradoxe. Ce qui ressort des études qui sont tout de même, il faut le dire, assez limitées et qui portent sur 2009, c'est qu'en 2009, il n'y avait pas de différence sensible en termes de taux d'insertion entre les jeunes qui avaient un parcours de mobilité internationale et les jeunes qui n'en avaient pas. Mais d'abord, c'était une année relativement favorable pour l'emploi des jeunes, et deuxièmement, ça vise l'ensemble des carrières. Et il est clair qu'on n'a pas le même problème d'insertion professionnelle si on doit rentrer dans le service export d'une grande boîte qui travaille avec l'étranger, ou si c'est pour être cadre administratif dans ma commune de Saint-Gratien de 20 000 habitants. Et donc, il faudra aller déjà plus loin dans l'analyse de ce chiffre, mais il est quand même significatif. Ça veut dire que ce n'est quand même pas une condition absolument indispensable pour une insertion professionnelle. Par contre, toutes les études concordent, y compris celle de l'APEC et celle d'une universitaire de Bourgogne qui s'appelle Cathy Perret, et qui montrent qu'en réalité, si le taux d'insertion n'est pas différent, le niveau de carrière et le niveau de rémunération est par contre extrêmement différent. Autrement dit, Dieu merci, on peut trouver un emploi si on n'a pas une mobilité internationale, mais il est quand même décisif dans le prolongement de la carrière des jeunes. C'est plus facile de faire partir en mobilité internationale un étudiant qui a fini son master, qui a 25 ans, qui est déjà très autonome, qui a déjà un niveau culturel et éventuellement des niveaux de revenus personnels qui sont déjà un peu différents. En plus, les accords entre universités sont plutôt faciles dans la mesure où le statut des étudiants, sans être identique, est quand même comparable. Mais pour les autres catégories, c'est beaucoup plus compliqué. Déplacer un apprenti, c'est très compliqué. Les législations ne sont pas les mêmes. Le mot d'apprenti ne signifie pas exactement la même chose dans les différents pays. Et puis, il y a une différence d'autonomie qui est prégnante. Et donc, nous souhaitons quand même que les dispositifs internationaux s'appliquent de plus en plus aux autres catégories de jeunes Français. C'est ainsi d'ailleurs qu'il va y avoir une évolution dans les VIE, les volontaires en entreprise, à l'international, ou avec Ubifrance, où Ubifrance a décidé que les jeunes de niveau licence pro et demain probablement de BTS pourraient eux aussi accéder à ce dispositif. Il y a les efforts des chambres de commerce et des chambres de métiers sur la promotion des dispositifs Leonardo en faveur des apprentis. Il y a d'ailleurs notre collègue Amoros du groupe de l'artisanat vient de nous inviter à une réunion, je crois, le 9 décembre, pour présenter l'expérience de la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère, qui s'est mis en coopération avec 4 pays étrangers. Et puis, il faut souligner le travail des associations, qui, elles, travaille beaucoup sur les niveaux inférieurs à celui de master et même de licence, en utilisant notamment tous les dispositifs européens de jeunesse en action. Reste que de toute façon, même si on fixe l'objectif de 10%, alors qu'on en est à 2%, ça veut dire que 90% des jeunes Français n'auront pas de mobilité internationale. Et donc, nous sommes attachés beaucoup à la mobilité hexagonale. Parce qu'après tout, découvrir le monde, c'est bien, mais déjà sortir de son quartier ou de son village pour découvrir la France, ce n'est pas si mal. Et donc là, ce que nous préconisons, on sait que les deux principaux obstacles qui font que dès qu'un jeune doit sortir de son domicile, notamment en raison de la carte scolaire, c'est tout le problème des transports. Le problème des transports en commun, évidemment, il ne peut pas y avoir de transports en commun dans un certain nombre de villages. Et on a ici même, dans un récent rapport de Mme Lindemann, évoqué l'enfermement d'un certain nombre de quartiers.
Mais de toute façon, dans beaucoup de situations, la voiture reste un outil indispensable, même si on souhaite tous que les transports soient le moins polluants possible. Or, l'accessibilité du permis de conduire est aujourd'hui un véritable problème. On a oublié qu'autrefois, pour les garçons, le service militaire permettait d'obtenir le permis de conduire. On n'a pas trouvé un dispositif de remplacement. Et aujourd'hui, c'est une course d'obstacles et un coût financier non négligeable pour de nombreuses familles. Donc là, nous disons qu'il faut trouver une solution. Et puis l'autre gros problème, c'est celui du logement. Dès qu'on quitte son domicile, il y a un problème de logement. Il y a un problème de disponibilité du nombre de logements adaptés pour les étudiants. Et nous constatons qu'il n'y a pas de politique globale, qu'il y a une politique pour les étudiants, pour les apprentis, pour les jeunes travailleurs, mais que personne ne s'est mis ensemble autour de la table, et Dieu sait s'il y a des acteurs possibles. Donc nous disons que la première chose, c'est déjà qu'il y a une politique, allons-y, une table ronde, un Grenelle, ce qu'on veut, mais bref, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on parle avec les gens avec qui moi j'ai parlé, la Caisse des dépôts, les sociétés d'HLM, qui sont prêts à s'engager dans le logement des jeunes. Et puis il y a le problème des cautions. Parce que 85% du logement est aujourd'hui privatif, et évidemment, le propriétaire, y compris parfois de nombreux retraités, ont besoin de se faire payer leur loyer. Et donc, il y a un vrai problème de caution, un problème de rédaction. Bon, parce que les rédactions sont assez incroyables, mais en plus, tout le monde n'a pas un père, un grand-père, et même un oncle d'Amérique pour signer une caution. Et donc, nous avions suggéré qu'il y ait un dispositif de caution mutuelle, aussi universel que possible, et nous suivons avec intérêt l'expérience que le gouvernement et le ministre de l'enseignement supérieur mènent à Lille, je crois, et à Lyon, et peut-être à Bordeaux aussi.